Hey, salut les petits clous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour s'ouvrir une petite tin, box tin, je sais pas comment ça s'appelle exactement, une petite tin comme ça, et un bundle destiné de Paldea pour continuer à compléter, bien entendu, la collection, parce qu'il nous en manque encore quelques-uns. Et petit rappel, pour les 900 abonnés, il y aura encore des boosters, un pack des destins à gagner, des packs récompenses. Voilà, donc il y a la deuxième, troisième et quatrième série. Donc, plus que 75 sur la chaîne pour faire notre tirage au sort, pour tirer au sort, trois gagnants qui partiront avec leur booster ou XY ou un pack récompense. Il y aura trois personnes qui seront récompensées lors du tirage quand on sera, bien entendu, aux 900 abonnés. Et tout le monde s'est fait connaître pour les abonnés, donc tout le monde a choisi un pack récompense, deuxième série cette fois-ci. Donc voilà. Donc tout le monde s'est fait connaître, même je pense qu'ils ont même reçu leur booster à l'heure où sortira cette vidéo, je pense qu'ils les auront même reçu. Allez, on va. Qu'est-ce qu'il y a dans ce mini-tin? Astradieux, Star Étincelante, Évolution Paldea. Alors j'en ai pris qu'une seule, j'ai pris pour moi, j'ai pris la, on va dire la plus jolie, parce qu'il y a le Mentali, le petit. C'est pas Galopas, c'est. Bon, on peut plus. Rectoplasma. Et un petit roux doudou de Paldea, je pense. C'est pas Galopas, c'est le petit. Ouais, bon, j'ai un petit trou de mémoire. Allez, évolution à Paldea. Alors, qu'est-ce qu'on attend là-dedans? Pas grand-chose. On a vu vendredi ce que ça donnait, ces coffrets. Ça peut être tout bon ou tout mauvais, mais en général, il n'y en a pas beaucoup des tout bons. Allez, donc, je vais vous donner le petit code. Évolution à Paldea. Allez, c'est parti. Là, il nous manque encore quelques cartes à aller chercher en Paldea, mais bon. Il en manque tellement dans ces collections-là qui sont tellement énormes. Zapetrel, j'espère qu'ils vont nous arrêter de nous faire des si grosses collections. Albert, Sévipeur, Parcoul, Grondog, et on repartira avec rien du tout. Donc voilà, c'est ce que je disais, de toute façon, ces boosters-là. C'est pour ça que j'en ai pris qu'une seule d'ailleurs, parce que je me suis dit. On va prendre encore une clim sur des boîtes comme ça. Y a pas trop d'intérêt. Allez. Alors là, c'est un code noir. Voilà, code noir. Ça, c'est cool. Je ne vous l'ai même pas donné. Je vous montre ce code noir, mais je ne vous ai pas donné le code de l'autre côté. Alors, c'est 1, 2, 3, 4. Donc là, on peut avoir TG et une grosse carte derrière. Pourquoi pas, hein. Déjà, l'énergie, elle est super bien cadrée. Bravo. Électrode de Issui. Piolet courageux. Mateloutre, je vais pas y arriver à le dire. Scarino, Teddy Ursa, était mal cadré celui-là aussi. Voltorb de Issui, Pijako, Krixic, allez, Reverse ou TG, petite TG qui va bien. Hyporoi, très très belle en plus, très très belle TG. Donc on va avoir un double hit. Et on aura juste un HG4, dommage, on aura un HG4. On aurait pu avoir un peu mieux que ça en hit quand même. Bon, il va falloir que j'aille. Que je prévoie d'acheter des sleeves, parce qu'il me reste. J'ai 4 sleeves, voilà. Si je joue plus de 4 choses, je serai dans l'embarras, j'aurai plus de sleeves. Il faudra que j'en achète demain, demain. Aujourd'hui, donc, pour la vidéo à la Diag. Un joli hippo-roi, en tout cas. Allez, bon, Star Étincelante. La collection est finie de Star Étincelante, donc c'est pas grave. Si on a rien, c'est pas très grave. Si on a quelque chose, ça peut être du très beau, donc on prendra. Allez, y a-t-il quelque chose? Ah, c'est un gros code blanc, ça. Il est raide. Voilà. Donc là, il n'y a que TG. On va faire vite fait. Voilà, donc il n'y a pas de TG. Il n'y a rien du tout dans ce booster. Allez, hop. Ça va plus vite comme ça. Tant qu'à faire. Voilà, on va passer au bundle, c'est quand même le plus intéressant. Allez, on se voit ça, le décel. Donc n'hésitez pas donc à vous abonner dès les 900 abonnés. On recommencera à faire un concours pour faire gagner un booster XY ou XY Impact des Destins, bien entendu. Ou un pack récompense de la série que vous voulez, 2, 3 ou 4, tout simplement. Je vais arriver à l'ouvrir, cette boîte. J'y arriverai. Allez. Je vais essayer de pas les abîmer, mais dur à ouvrir. Ah, ça y est, j'y suis arrivé. Allez, ça y est, on a nos 6 boosters qui sont là. La boîte, on met de côté, ça on n'en a pas besoin.
Voilà, c'est là-bas. Et voilà. Donc c'est là qu'on veut quelque chose. C'est là qu'on veut du lourd. C'est là qu'on veut de la shiny qu'on n'a pas. Allez. Parce que vous avez eu la première boîte, on a eu bon, un hit sur 3, ce qui est pas si mal, mais bon. On s'attendait pas à avoir des dingueries dessus. Allez, un petit code là. Allez, c'est parti. Allez, Magmar, donc c'est là qu'on veut des choses. Donc on a 5 bundles à ouvrir. Aujourd'hui, on en ouvre un. On verra dimanche combien on en ouvre. On ouvrira au moins 2 dimanche. Comme ça, on va compléter la collection. Hyperbole, Famignole, Codéole, Colline, Clair de Lune. Ah, on n'aura pas de Shiny. Voilà. Bon, premier booster. Premier petit booster, on va dire. C'est pas ce qu'on veut dans un bundle. On veut quand même beaucoup mieux. Allez, premier booster vide, ça veut dire que tous les autres seront pleins. Allez, on va dire ça comme ça. On va se faire plaisir sur les autres. Celui-là était vide, mais pas les autres. Allez, Fantominus. Tant qu'il n'y a pas de tout tombe, ça devrait aller. Tarsale. Terrakul. Chauve-sourire. Reptincelle. Ah, il nous met le feu, Reptincelle. Allez, pourquoi pas. Le CD rouge aussi. Le Briochien. Allez. Oh là 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 là. Pourtant, on n'a pas eu tout tombe. On n'a pas eu tout tombe. Mais c'est pas tombé quand même. En tout cas, il me reste, comme j'ai dit, il me reste encore 3 sleeves. Bah, peut-être que j'en aurai assez. Hein. Si ça continue comme ça, j'en aurai même trop, 3 sleeves. Sur 6 boosters, on devrait avoir au moins 3 hits minimum. Donc, on va essayer de faire quelque chose quand même. Pomme des pics, Natu, Chamallow, Reptincelle, le roi là qui nous remet le feu dans ce booster. Briochien, c'est les mêmes. Camerute, alors qui est booster feu ça. Allez, une petite shiny là derrière. Ah, combat, j'en ai pas beaucoup du combat. Courroux-singe qu'on n'a pas. Voilà, le courroux-singe, celui-là on l'a pas. On avait le ferro-singe, mais on n'avait pas le courroux-singe. Donc on ajoute une carte, la collection, et ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Une carte de moins à chercher. Même si celles qui nous manquent ne sont pas très chères maintenant. Il ne manque qu'une seule alternative, c'est Piper. Donc c'est la moins chère. D'ailleurs, Piper, c'est une carte, je crois que l'alternative, elle est à 10 balles, je crois, un truc comme ça. La seule alternative qui nous manque, par contre, il nous manque encore 4 gold. On a 4 gold à aller chercher encore. On n'a pas été très, on n'a pas été très chanceux sur les golds jusqu'à présent. Allez, Fampi, Sonistrel, Deden, Eoko, Famignole, Hyperbole, Fragouin, pas de Shiny encore. Je crois que ça a collé, mais non, en fait, c'est rien du tout là. Bon, un petit roue de fer. Bon, allez, on va prendre roue de fer. Il nous reste encore une sleeve. Après celui-là, on va compter les sleeves qui nous restent. Pas que j'oublie d'en acheter à la Diag. Des petites sleeves. Et il reste 2 boosters. On a eu 2 hits. 2 hits en 4 boosters. Bon, on a eu la moitié, mais c'est vraiment bas comme taux là. On a vraiment eu un taux très bas. Normalement, on en a plus que la moitié. Allez, élève de Paldea. Doudouvé. Je sens pas trop ce booster. J'ai vu que ça brillait à la fin. Donc quand ça brille à la fin, c'est une holo. Monsieur Mime. Bagaïd. Et, ah non, c'est peut-être. Non, c'est une ex. On voit les traits là. Rhinolove, Francia, donc ça veut dire que s'il y a une ex, ça veut dire qu'il n'y a rien avant. On va se trouver un booster juste avec une ex, voilà, Terra Cristal. Parce que apparemment, d'après ce que j'ai vu, toutes les ouvertures que j'ai vues, quand il y avait un loot en premier ou en deuxième, il n'y en avait pas en troisième, et quand il y en a en troisième, il n'y en a pas au départ, quoi, tout simplement. Donc ça veut dire qu'on peut pas avoir de chance d'avoir 3 hits. C'est une légende. Les 3X, c'est une légende. Je ne l'ai jamais vu faire et je pense que personne ne l'a vu. Bon. Alors, est-ce que c'est un bundle vraiment pas chanceux? Ça a l'air d'être ça en tout cas. Parce que là, pour l'instant, on a chopé quoi, 3 hits, mais 3 petits hits de rien du tout, quoi. Patachio, Spectrum. Et là, j'ai l'impression que ça va être la même chose. Qu'on a un truc juste à la fin, donc on n'aura rien avant. C'est un petit bundle.
Voilà, c'est vraiment le petit bundle. Aïe, 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 même pas, on a même pas quelque chose à la fin. Bon, bah, ça sera un petit bundle, c'est la semaine qui commence comme ça. Hein. On a mercredi, on a fait chou blanc. Dimanche, on n'a pas eu grand-chose non plus. C'est la semaine que, bah, voilà, c'est la semaine comme ça. Dimanche, on tirera plus de choses. Voilà, il faut se dire que dimanche, on aura largement mieux que ce qu'on vient d'avoir là. Bon, voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir avoir une chance de gagner un booster XY, Impact des Destins ou Impact Récompense. Voilà, je vous dis bientôt pour de nouvelles ouvertures et salut les petits clous.